Alors, voyons voir ce trailer de L'Exorciste, chapitre 2. D'accord. Je pense qu'on va plutôt se faire un Monopoly. Bon, allez, quand il faut, il faut. Voilà, alors, aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour le deuxième épisode de L'Exorciste, que je n'ai vraiment pas envie de faire. Je suis bien grand, moi. La dernière fois, j'étais pas aussi grand. On a l'air d'être dans un genre de laboratoire. Ne pas rentrer tout seul. La magie noire. Comment comprendre la magie noire pour les nuls? Alors là, on dirait un tatouage. Faudrait peut-être changer de tatoueur. Ça, c'est le genre de truc que j'aime pas, tu vois. La salle d'attente où il fait noir. Y a pas un volet, comme à la poste? Alors ici, ça doit être le plus important. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ose pas toucher au bouton, je pense que c'est un truc pour enregistrer. Caméra 6, il y a quelqu'un? Je crois que c'est un collègue. Bah lui, je pense que... Il est très bien là où il est. On va pas le faire chier, hein. De toute façon, il a l'air très gentil. Ici, on a un frigo où on peut, bien entendu, se servir à volonté. Il a l'air un peu périmé. Hein. Alors, mais attends, mais qui prend un croc, un seul croc, et le remet dans le frigo? Ici, on a du sang. Ouais, c'est sûrement pour la prise de sang de demain, hein. C'est sûrement Gilbert qui l'a laissé là. Putain, il est là, en fait. Il est là. Oh non, gros. Pff. C'est chaud, ça. Bon, allez. Ouais? Allô? J'entends pas bien ce que tu dis. Ça a pas l'air d'aller très fort, hein. T'as un problème, Gilbert? Ok. Gilbert, il avait plutôt l'air d'être dans la merde. Oh non, gros. Oh, ça... C'est mauvais, c'est mauvais. Oh, merde. Y'a quoi dans la valise? Je ne sais pas jouer aux échecs. J'ai pas envie d'aller là-bas, en fait. J'essaie de m'occuper comme je peux. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi essayer de me rassurer comme je peux. Oh, putain. Ça, c'est le genre de truc qui me fait grave flipper, gros. Non, je m'approcherai pas de là. Ça va aller, Martin? Tu veux ta tartine, peut-être? Martin, il a faim. Je comprends. J'arrive, t'en fais pas. Putain, gros. J'ai entendu quelque chose, là. Il est pas là, Gilbert? Gilbert, j'aurais besoin d'un coup de main. Gilbert, s'il te plaît. Ne fais pas ce coup-là, tu me fais ce coup-là à chaque fois. Tu me fais chier, Gilbert. Prenons nos couilles, on va donner la tartine à Martin, là. Je peux pas ouvrir. J'étais chaud, hein, je vous jure, hein. C'est pas de la mauvaise foi, là. Martin, je te jure, j'essaie de rentrer, ça marche pas. Alors là, je suis déjà bloqué, quoi, hein. C'est pas super, hein. Hey. Whoop. Oh, je sais que tu veux ta tartine, Martin, mais là, je suis vraiment pas chaud, là. Ouais. Gros, je vais faire une crise cardiaque, moi. T'es ouvert. Oh my god. Oh merde. Oh putain de merde. Martin, j'arrive. Ça va aller. J'ai la tartine que tu m'as demandé. Voilà, je sais pas ce que ça donne. Hein. Je crois que c'est Gilbert, il a été un peu trop gourmand, il a croqué dedans. Tu m'en voudras pas. Je la dépose là. Hein? Bon, maintenant, les démons et tout, ça dégage. Hein. Salut Martin. Tiens, c'est de l'eau bénite. Oh putain, t'es pas content. Ouais, je suis le détective, mon pote. C'est toi? Oh putain. C'est quoi ce crapaud de merde? Je jure, si tu te transformes, je t'explose la gueule. What the fuck? Oh merde. J'ai pas envie d'avancer, bordel. Il est là. Oh! Sa mère! Ah, ça tombe bien, je trouvais qu'il faisait un petit peu froid ici. Ah, fou, il fait frisquet, hein. Apparemment, je dois prendre ça. On est d'accord, c'est. Ok, c'est bon, ça a fonctionné. Tu m'impressionnes pas! Moi, j'ai de l'eau bénite, mon pote. Tu peux rien faire contre l'eau bénite. C'est un cul-de-sac. What the fuck? Je veux pas me retourner. Hors de question que je me retourne. Martin, t'arrêtes tes conneries, hein! Faut vraiment que t'arrêtes! Putain, c'est rouvert encore. Tu me mènes en bourrique, j'en ai marre! C'est toujours pareil avec toi. Quel enfoiré! Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça? Martin, il y en a marre de tout ça! Ça, c'est une bonne blague, Martin! Hein. Elle est bonne! Hein. Je passerai pas par là! Bouge pas, hein. Je te préviens! Hein. T'as pas intérêt à bouger ta putain de main! Tu restes bien là! Hein. Tu. Hein? Oh. What? Laissez-moi passer! Laissez-moi! Oh. Oh putain! Je m'ouvrir la porte!
je transpire comme un porc là. Je suis pas bien là. Martha ! Mais non, ça suffit, hein. C'est fini tout ça. Tu fais le malin en plus. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Exorcimus instantanus. Allez, sors du corps de Martha ! Ça va fonctionner, Martha ! Tiens bon ! Allez, Martha ! Tu tiens le coup ! Allez, mange-toi cette croix, bordel ! Mange la croix ! Lord, me, husband, husband. Ah ! Ok, j'ai compris. What? Tais-toi, tais-toi, tais-toi! Je l'ai tué? Je crois que je l'ai tué. Je suis un gros badass si je l'ai tué. Par contre, Martin, je sais pas où il est. Ah, il est là, Martin. Je crois qu'on a réussi. J'ai réussi à passer ce niveau, les gars. J'ai réussi à surmonter ma peur. Et je vous jure, c'était pas facile, hein. Ce n'est pas une partie de Monopoly, tout ça. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo sur The Exorcist en VR. J'ai beaucoup moins flippé que l'épisode 1, bizarrement, même s'il y a eu quand même plus de jumpscares. On va pas revenir là-dessus, hein, voilà. C'était déjà assez violent pour moi. Ceci dit, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Il y aura un troisième épisode sur l'exorciste. Le troisième chapitre est en développement, donc va falloir attendre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao !